Eh bien bonjour à vous tous et bienvenue pour le journal du 27 septembre. Voici maintenant ce qui vous attend, le sommaire en images. Chargé comme vous avez pu le constater, surtout à Palavas. Mais pour le moment, je vous amène découvrir une commune qui est à peu près grosse comme les Saintes-Maries de la Mer. Ce n'est pas les Saintes, c'est Canguilhargue. On regarde tout ça. Parce qu'il y a des partis politiques quand même différents. Alors comment vous fonctionnez
dans les UNAGLO ou vous n'êtes pas tous du même courant politique? Alors, on laisse la politique à la porte. Ah, ça c'est bien. La seule voiture qu'on a sur Candiarve, c'est celle-là. Et... Monsieur le maire. Monsieur le maire n'a pas d'argent, puisque c'est l'argent du contribuable. On a des impôts qui sont bas, donc on essaye d'avoir des... Ben de construire bien. Au moindre coût. Participatif, voilà, ça fait partie de... Bon, c'est un peu mon rôle, parce que j'étais contrôleur de gestion, donc je sais faire. Voilà. Et donc ces arènes-là, ils ont été construites, donc on a acheté tout ce qui est matériel, et donc les entreprises locales sont venues le samedi et le dimanche nous donner le matériel, travailler avec le comité des fêtes, et la population qui est venue, ceux qui voulaient. Des jeunes, il y avait des jeunes qui ont... Il a fallu peindre toutes les planches, une par une, et il faisait chaud. Trois mois de travail. Oui, il y a à peu près trois mois de travail. Bon, on a commencé avril, mai, juin, et on était prêts fin juin. Donc là, déjà cet été, chaud. Vous les avez largement... Ah, ça y est, on les a inaugurés. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars.
and races. My baby don't care for it, don't care for it, don't place it. The Stella is not his style, and even Lana Turner's smile is something he can say. Partons maintenant à Palavas, où il y avait une actualité très 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 chargée. On a essayé de faire un condensé et un résumé de ce qui s'est passé à Palavas, c'était ce week-end. C'est vrai que l'aventure du canoë, des sports de nature,
Avec toi, ça fait déjà, et avec toute l'équipe, ça fait déjà un petit bout de temps que ça existe. Hein. C'est vrai que je suis très régulièrement interpellé sur la problématique de l'accessibilité, de permettre à ce que tout un chacun puisse aller faire d'une activité. Et c'est vraiment important. Puis moi, je me sens en famille ici parce qu'avec Jean-Christophe, c'est vrai qu'on a fait les premières pagaies ensemble. Bon, j'ai pas toujours, moi, je serai jamais par un canoë, mais c'est pas grave. Tant que j'arrive déjà à m'asseoir dans le canoë, je suis content. Et je tenais vraiment. Au nom du mouvement Handisport et en mon nom personnel, à vous remercier pour cet accueil. Vraiment, merci beaucoup. De 12 personnes, on est passé à un peu plus de 300 de plus, quoi. C'est peu. Je sais que monsieur le maire est toujours ravi de voir sur le Lez naviguer les kayaks et les pirogues. J'avais demandé à la première adjointe de tout faire pour être un peu en retard, de façon à ce que ce ne soit pas moi qui soit mis là. Je la remercie de son efficacité. Donc c'était une petite boutade au passage. On a beaucoup d'amis au conseil municipal de Palamas. Et bien, quand je regarde autour de moi les conseillers adjoints et conseillers qui sont présents, je dis oui, effectivement. La première adjointe doit être aussi chère aux oreilles. Et oui. Sylvie Martel-Canac, qui est déléguée au handicap, avec Daniel Briand, qui s'en occupe beaucoup, et a beaucoup de choses à dire là-dessus, Clotilde Dominique Europe, Sébastien Rive, Gisèle Ménézé. Vous voyez que c'est véritablement, on a rarement des inaugurations avec autant de représentants du conseil municipal, surtout les jours de feria, où les moments sont très très difficiles, croyez-le bien, où il faut tenir le choc, comme on dit. Il n'y a pas que des tours, il y a aussi des tours. Tout le monde un à un, je vais faire un montage après. D'accord. Tu sais comme Tony Estanga fait. Et le fera ce week-end, c'est sûr. C'est là on voit les gens qui ont des problèmes dans leur bras. Un peu plus bas. C'est pas manuel. Hein. Un peu plus bas parce qu'on va tourner. Hein. Non mais toi tu m'aimes pas à moi. Ah ouais. Avec vos doigts. Allez, une petite tour Eiffel. Une tour Eiffel. Vous mettez les pouces contre pouces, index contre index, et les mains comme ça. Ça fait une tour Eiffel. Sur pouce. Index contre index. En l'air. Et là, ça, c'est la base de la tour Eiffel. Et ça, tu mets bien ton doigt. Allez. Non. Alors la tour Eiffel. Ça c'est quoi ça? C'est un triangle. Qu'est-ce que tu me préfères là-bas? Voilà. Ouais, c'est ça là. C'est ça. Allez. Très bien. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour toi? Wow. Et puis comme vous le savez, Happy TV c'est votre actualité, mais c'est aussi notre actualité. Et oui, cette semaine nous étions à la CCI de Nîmes pour signer un partenariat des clubs partenaires. On regarde. Thank you.
mot de bienvenue. Vous souhaitez, au nom de toute l'équipe enseignante, l'équipe administrative, les élèves, les étudiants du lycée, vous souhaitez la bienvenue au lycée pour cette rentrée. Alors aujourd'hui, pourquoi sommes-nous réunis ? Nous sommes réunis pour fêter les 1 an du club des partenaires du lycée, puisque bon, vous le savez, le but de ce club, le but de ces relations, c'est bien évidemment d'intensifier au maximum les échanges entre les jeunes du lycée et le monde professionnel, le monde de l'activité économique. Donc aujourd'hui, on va signer aussi l'arrivée de nouveaux membres dans le club. Moi, je voulais simplement vous rappeler et vous redire merci. Grâce à votre engagement auprès des jeunes, vous êtes vraiment des acteurs essentiels de leur parcours de formation. Je vous redis donc bienvenue au lycée et grand merci pour les jeunes. Je vais céder tout de suite la parole au président de la Chambre de commerce, Henri Doué. Bah écoutez, merci pour cette rentrée. En tout cas, merci d'être venus nombreux ce matin pour qu'ensemble nous puissions reconnaître d'abord ce club qui est un club qui fonctionne bien puisqu'on l'avait dit depuis 1 an, mais en plus les étudiants sont présents et ça me fait très plaisir, moi personnellement, dans tous les cas. Nous sommes particulièrement fiers, bien sûr, et heureux de retrouver le club des partenaires du lycée de la CCIDI. Mais j'ai eu le plaisir de lancer aux côtés de l'équipe du lycée il y a tout juste 1 an, le 15 septembre, cher parrain, 2015. Étaient tous les deux. Tout au long de l'année, l'équipe du lycée, pilotée par Bernard Michel, a multiplié les actions à destination des jeunes pour rendre la plus concrète possible la relation directe avec le monde économique. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Les choix qu'ont pu faire la Chambre de commerce pour le lycée portent ses fruits, puisque ce mariage entre le nombre de chefs d'entreprise présents aujourd'hui et le nombre de jeunes qui sont concernés par ces activités nous confirme que nous avons fait le bon choix. Et nous allons continuer dans cette voie-là. Le directeur et son clin d'œil concernant les travaux du lycée, vous savez que ça nous tient à cœur. Depuis le début de notre mandature, on a tout fait pour donner une vision et des équipements au lycée dignes des personnes qui l'animent. Et on va mettre tout en œuvre pour continuer ça dans les prochaines années. Alors écoutez, c'était pas prévu au programme, mais j'ai quand même envie de le dire, sans tout dévoiler quand même. Vous savez qu'on a un programme pour la future mandature. Et le lycée fera partie d'un programme important de développement dans notre prochaine mandature. Je voulais vous le dire, tout le monde n'est pas très au courant, mais dans 15 jours, vous allez le savoir, on veut développer ce lycée de façon importante. Alors, bonjour à tous, alors moi ça va être assez rapide. Un grand merci d'abord aux étudiants, aux élèves, aux enseignants, et ainsi qu'à tous les chefs d'entreprise et à tous les présidents d'organisation pour nous avoir apporté leur aide sur toute l'année 2015-2016, qui a été une année assez riche en événements. On a souhaité, avec cette charte de partenariat, mettre en place une charte qui soit gagnant-gagnant. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est donc de passer à la signature de la charte. Donc pour les nouveaux partenaires, je vais vous appeler les uns après les autres. Donc on signera la charte, donc le partenaire, le président de la CCI, Henri Doué, et moi-même. Donc je ne sais pas où sont les photographes pour les prises de photos. Donc ce que je vais vous proposer, c'est que chaque partenaire que je vais appeler puisse se présenter et dire 2 mots de son activité, qui finalement explicitera très bien pourquoi il est partenaire du lycée. Donc en fait, je vais commencer par nos amis de Happy TV. Bonjour, donc Happy TV, nous sommes une web TV qui est essentiellement sur le Languedoc-Roussillon, Gare et Hérault. On fait des événements, on est une télé qui se revendique de proximité, on aime faire ressortir l'authenticité, le terroir. Voilà. On est actuellement en projet avec le lycée, mais aussi avec un nouveau partenaire qui est le Grand Raid de Camargue, que nous accompagnons depuis ses débuts. Avec des reportages, des interviews. Et cette année, c'est beaucoup plus construit puisque c'est avec le lycée et donc avec les étudiants. Nous avons aussi, nous, un projet personnel qui s'appelle le C-Marketing, c'est-à-dire c'est un nouveau moyen de diffusion qui consiste à équiper un bateau qui
qui peut être catamaran, goélette ou fluvial, d'un écran géant et de diffuser l'actualité des ports et des villes du Languedoc-Roussillon sur l'écran géant de 10 mètres carrés pendant la saison d'été. Voilà. Donc sur ce projet-là, on se fait accompagner aussi par le lycée, par les BTS. Donc on pense qu'on va faire un très bon partenariat et on est très heureux d'intégrer le club des partenaires. Sur l'Hérault, on est en partenariat aussi avec France Bleu Hérault. Donc voilà, on est assez jeune, mais on avance bien. On est actuellement, puisqu'on produit un journal hebdomadaire, on est actuellement entre 1,8 million et 2 millions de vues par semaine sur notre journal. Voilà. Je vous rassure, nous n'étions pas les seuls, il y en avait 7 ou 8 autres. Regardez le reportage en entier, c'est dans le menu lycée CCI de Nîmes. Vous pouvez voir tout ce qui a été filmé. Pour l'instant, on ne se quitte pas encore puisqu'on a rendez-vous au Salon de la Beauté. Et devinez où c'était ? À Palavas. I told you, baby, how I feel. One word can. Alors moi, je suis importatrice et distributrice donc de produits cosmétiques, donc notamment la gamme Clayton Chagall, qui est une gamme qui est issue du monde médical. C'est de la cosmétique qui est notamment au niveau du collagène. Donc c'est un collagène qui est là pour réparer les grands brûlés, les cicatrices. Et donc un Canadien a racheté le brevet et a développé une gamme autour de ça. Des produits complètement naturels ? Complètement naturels, enfin, trop courtes, oui, ils sont naturels, vu qu'on va jusqu'au derme. En plus, on va vraiment agir en profondeur, donc et on va venir réparer toutes les problématiques de peau. Donc, crème de jour ? Alors, on va avoir donc, des nettoyants, on a des nettoyants, on a des gommages, on a donc des masques, les fameux gels collagène et élastine, qui est vraiment notre cœur de gamme, donc, qui sont en trois concentrations, 5, 10 et 40% en fonction des besoins de l'âge et des besoins de la peau, et on a aussi des crèmes de jour, qui font aussi bien crème de jour que crème de nuit. D'accord. Et on peut trouver ça où ? Alors vous trouvez ça donc, chez les meilleurs instituts de la région. Vous pouvez l'avoir au Spa Kenji, notamment à Saint-Jean-de-Védas, mais on est surtout le Languedoc-Roussillon et l'Auvergne. Je les ai découverts parce qu'un jour j'allais dans les instituts donc, pour proposer des produits et on me disait non mais moi je travaille avec Clayton Chagall, jamais je changerai. Et donc j'ai voulu essayer et j'étais allée au ski une journée et donc je me suis brûlée au deuxième degré de la taille d'une pièce de 2 euros. Et donc j'ai utilisé le collagène pendant une semaine, matin et soir, et je n'avais plus rien. Et après des résultats comme ça, j'en ai plein. I told you baby how I feel. One word can close this deal. Baby, be my queen of hearts. Please give me that. Alors, Betty, bonjour. Qu'est-ce que vous présentez au Salon de l'Esthétique ? On va présenter la marque Biotech. C'est une marque de maquillage permanent, produit pour le maquillage permanent. C'est un professionnel du mondial. Est maintenant mondial. Avant il était tout petit, puis moi je l'ai connu tout petit et maintenant il est très très grand. Voilà, et donc je suis exclusivité France. Et donc vous êtes aujourd'hui au Salon d'esthétique à Palavas, mais vous avez aussi d'autres activités, des activités de formation, on m'a dit. Oui, on est en train de reprendre un spa, on va sauver le spa Kanji en fait de Saint-Jean-de-Védas qui était un petit peu en déperdition. Et mon challenge, c'est de le relancer par l'intermédiaire de l'esprit zen et aussi massage du monde entier, tout ce qui va être relié au zen en fait. Et alors Betty, si je viens me faire faire le maquillage permanent, ça dure combien de temps ? Entre 1 et 2, 3 ans on va dire, parce que ça dépend de la peau, de l'acidité de la peau, la peau va digérer ce pigment et après en fonction il va s'en aller tout doucement, hein, plus ou moins suivant les couleurs après. Voilà. You tell me that you're leaving
I can't believe it's true. Girl, there's just no limit. Alors moi je suis donc directeur commercial de la marque Blumea qui est ici, qui est un appareil en fait qui a été créé par des chirurgiens esthétiques français il y a de ça maintenant une dizaine d'années, à la base pour traiter les cicatrices post-opératoires. C'est un appareil qui maintenant permet de traiter les imperfections superficielles de la peau en général, à la fois cicatrices, vergetures, séquelles d'acné, masques de grossesse, fissures du décolleté. C'est un appareil qui est le prix d'innovation au Salon des Nouvelles Esthétiques de Paris l'année dernière et qui est un acte non médical car il ne touche que la couche cornée de l'épiderme. Donc je suis ici justement pour promouvoir l'appareil qui peut aussi bien traiter le corps que le visage. Allez, ben voilà, maintenant c'est l'heure de nous quitter. N'oubliez pas, restez curieux et vivement mardi prochain avec de nouvelles aventures. Et croyez-moi, ça en vaut le coup d'œil. Ciao, bye bye. Alors Alex, explique-nous toi ce que tu fais ici au salon de... Rappelle-moi, c'est le Palavas. c'est le salon de... De l'esthétique. De l'esthétique. Mais après, bon, par contre, c'est payant, quoi. Donc là, il y a des clients qui sont super contents, tu vois. Bah, la personne qui nous aide, là, c'est une ancienne cliente. Elle me dit, ouais, bah, tu fais semblant, je viens t'aider. Tes produits, j'adore. Commerçant. Voilà ce que c'est Wavy. Approchez. On va danser le Big Bisou. Big bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai. Nos grands-pères et nos grands-mères faisaient tellement de manières qu'ils mettaient parfois jusqu'à 100 ans pour s'embrasser. C'est un souvenir du joli temps passé, dépassé.